Coupé sec. Putain, je m'attendais pas. Quoi, tu veux chanter ou quoi? Salut tout le monde. Salut tout le monde, j'ai oublié de prendre mes lunettes. J'allais prendre mes lunettes. Elles sont où? Je sais pas. Sur ton bureau peut-être. Ça va ou quoi? Vous allez bien? Oh. Qu'est-ce qu'il a lui? Il tousse. Comment il est? Comment ça va ce soir? Hop. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ça ira mieux. Parfait. Parce que déjà que je sais que je vais avoir mal à la tête, si je mets pas mes lunettes, ça sera peut-être pire. Oh, exagère pas. Quoi? Laisse-moi lire le chat si tu veux. Mais je peux pas m'empêcher de regarder. J'arrive pas à tout lire, mais... Oh, c'est ça. Qui c'est qui a chanté un petit peu de Real Slim Shady, Please Stand Up, là? Salut tout le monde. Qu'on se refasse un petit peu de Real Slim non, Shady. Non, c'est bon, ça ira, merci. Mais bon, elle était en train de chanter, et puis elle a pas voulu chanter en live. Bah non. Tu as pas fait... Je vais pas vous offrir ça, hein, désolé, mais non. Bon, oh, un petit peu de Real Slim Shady, Please Stand Up, Please Stand Up. Non. Un Slim Shady, là, parce que je suis là. Alors, ça va ou quoi? Comment il est? Bina, ça va? Merci, salut Maza. Adeline, comment ça va? Oh, mais c'est pas possible. Alexia, première sur le chat ce soir. Alexia, elle a gagné. Elle est first, Alexia. C'est pas toujours Adeline, hein, first. Eh non, Alexia, elle a battu Adeline. Même si Adeline essaye toujours de remporter la première position du chat, t'as perdu ce soir. Salut à tout le monde. J'allais chez l'ophtalmo, un de ces quatre, quand même, hein. On s'occupe des rendez-vous dentaires et tout. J'ai plus besoin d'un ophtalmo que d'un dentiste. Faudrait, ouais, t'as raison. Faudrait. Mais alors, en même temps, si je change mes lunettes, peut-être qu'après je vais te quitter. Je sais pas pourquoi j'avais envie de la faire. Ta-da-da-da-da-da. Je plaisante, bien sûr. Est-ce que vous nous entendez bien? C'est Juliana et Julien pour vous servir ce soir. On espère que vous êtes en forme et que vous allez... passer et que vous avez prévu de passer une bonne soirée avec nous. Il te manque quoi? Je sais pas, j'ai besoin d'attacher mes cheveux en fait. Si je voulais les laisser détacher, en fait je supporte pas, j'ai envie de les... Ils viennent déjà. Pas. Non mais, ils te supportent pas. Là où tu les trouves pas beaux à l'image. Ah, ils sont moches. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, ils sont très bien ces cheveux. Est-ce que oui, vous pouvez lui... Dis rien en fait, comme si vous avez pas entendu. Est-ce que vous pouvez lui dire que ses cheveux, que tout va bien au niveau de ses cheveux? Qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête quand on n'est plus au collège et que le regard des gens, c'est pas quelque chose de très important non plus dans la vie. Voilà, faites-lui un petit truc comme ça dans le chat. Nos filles disent quelque chose. Bah, tu lui demanderas ça lundi, Elena. Tu lui demanderas lundi, là, c'est, Elena. Là, c'est le week-end. Va dormir. Mais c'est pas grave, va dormir, tu verras ça lundi avec la maîtresse, ok? Ok. À demain. Bisous. Salut Elena. Va dormir. Alexia qui dit cherchez pas dès que je suis là, c'est moi la preuve. Ouais, Alexia. Bah, salut. Alors, bon, personne parle de cheveux. Alors, bah, c'est très bien, c'était pas. Ou alors il y a beaucoup de retard dans le chat, peut-être. Ou alors les gens s'en foutent complètement de ce que je dis. Hein, oui, peut-être. Parce que ça n'a pas d'intérêt, c'était vraiment anecdotique. Non, mais il y a peut-être un gros retard dans le chat, c'est possible, ça arrive. Hein. Ça arrive des fois des fois un bon 30 secondes de retard. Hein. Et c'est assez embêtant quand il y a autant de retard dans le chat, parce que surtout que ce soir on va faire un live interactif. Ouais, c'est vrai que oui. Donc si là il y a beaucoup de retard dans le chat, ça va pas être facile. L'interaction sera un peu décalée, quoi. Ça va pas être facile du tout. Juste pour tester, du coup, est-ce que vous pouvez là tout de suite mettre un point dans le chat, une lettre, n'importe quoi, vous tapez quelque chose là tout de suite maintenant. Histoire de voir quel est le décalage. Immédiatement en fait, là il faut qu'il y ait... tu vois. Voilà, merci. Voilà. Ah, merci. Non, il n'y a pas de décalage. C'est juste ça les intéresse que pas, tout le monde ils ont écouté quand je leur ai dit faites comme si... Voilà. Ok, c'est bon. Tout le monde s'en foutait de mes cheveux, d'accord. En même temps, je suis mal placé niveau cheveux. Non mais je voulais dire que Bibou, ses cheveux étaient très bien. C'est tout. Oui, ok, c'est gentil. Bon. Eh oui, beaucoup. Ce soir, les amis, bim, on va faire ça. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Et j'ai parcouru les cartes du jeu et il y en a encore beaucoup qu'on n'a pas fait. Qu'on n'a pas faites. Il y a beaucoup de cartes qu'on n'a pas faites. Malgré ce que certains pourraient penser, il y en a encore une bonne cinquantaine. Et là, j'ai pris ce petit paquet-là pour ce soir. Je sais pas, il y a peut-être une vingtaine de cartes. Je pense que ça va nous faire la soirée. Ouais, ok. On est là jusqu'à 22h.
Salut Road Schooling. Salut, salut. On a mis une petite story sur Instagram, on va laisser le temps à tout le monde d'arriver, mais on va quand même pas tarder à commencer. Hein. Oui, on va commencer, les retardataires prendront le train en route. Exactement. Tu comptes déballer ça quand? Il est déjà déballé, il faut le ranger ce truc. Hein. Mais c'est il y a des peluches, il y a des... Enfin, faut ranger ça. Mais tu te fous du monde. On a reçu un colis. Ah, fais gaffe, il y a ton verre. Oui, non, bah, c'est toi, fais gaffe, tu ne le prends pas. Sors-moi un truc du colis, le truc le plus simple. On a reçu un colis de la part de Poulpeo. Ça nous a fait beaucoup rire. On a reçu un colis de la part de Poulpeo, parce qu'on a fait une vidéo sur le cashback Poulpeo. On n'a pas de partenariat avec eux du tout. Hein. On n'a jamais été en relation avec leur service marketing ou quoi. Et ils ont vu notre vidéo et ils nous ont dit « Ah, ça, bah, c'est très gentil, merci à vous, on va vous envoyer des petits goodies. » Donc ils nous ont envoyé des peluches, ils nous ont envoyé des raquettes de tennis, ils nous ont envoyé une enceinte, ils nous ont envoyé quoi d'autre, des autocollants, bon bref, oui, que des trucs pour les... Des trucs, voilà, des petits... Mais, des petits... Ah, on a une petite enceinte, voilà, une petite enceinte Bluetooth, c'est sympa, ils nous ont envoyé même une petite batterie externe. C'est pas une grande batterie externe, mais bon, ouais, une petite batterie pour recharger le téléphone, voilà, donc... C'est sympa. Le petit geste commercial était marrant, quoi. Et puis, on a une petite peluche, un petit poulpe. Il lui manque des pattes, il en a que 4. Un poulpe, ça n'a pas 4 pattes. Ça a combien de pattes, un poulpe? Enfin, des pattes, d'ailleurs, ça s'appelle des tentacules. Je sais pas, au moins. C'est pas genre 8, ouais, octopus. Oui. 8 au moins. Bah oui, 8. Moi, je dirais 8. Ouais, bah oui, 8. Mais c'est un... Bah oui, c'est ça, on appelle ça octopus. Octopus. 8, effectivement. Mais elle est mignonne, même si elle a que 4 pattes. Après, elle est peut-être juste handicapée. Ah, peut-être, c'est une peluche paralympique. Exactement. Mais je ne sais pas si elle fait les paralympiques, mais... Les JO 2024 arrivent, on est à fond dans l'Olympisme. Mais ça ferait une bonne mascotte, tu vois, je trouve. Elle est mignonne, ouais, c'est vrai. Elle est pas mal. Je vais peut-être l'utiliser en mascotte, c'est comme ils font à l'école, et puis de temps en temps, j'ai un petit qui repart à sa maison avec la mascotte. Il y a Fanny qui dit, moi je viens de me transférer... On va l'appeler Poulpeo, tu vois. Ouais, moi je viens de me transférer 65 euros... De Poulpeo vers mon compte bancaire, grâce à vous, avec plaisir, Fanny, avec grand plaisir. C'est un plaisir pour nous de vous divertir et c'est aussi un plaisir pour nous de vous faire gagner de l'argent. C'est les live argent, j'en fais depuis 6 ans maintenant. C'est pour ça, bien évidemment. Bon, les amis, ce soir, bah, je vais vous remettre vite fait le lien de Poulpeo, là, comme ça vous l'aurez, si vous voulez. Cliquez dessus et vous inscrire. C'était pas prévu qu'on parle de ça du tout. Hein. Oui, j'avoue. Juste là, on a vu la petite... Non, mais je vois, le truc, il est là, il est toujours pas rangé. En fait, moi, là, je suis peluche, sur le bureau de Babou, mais c'est pas... Vous passez par ce lien, là, et vous avez automatiquement 5 euros qui seront offerts. Je vous le mets là, voilà, comme ça, vous l'avez bien, il apparaît. Et 5 euros offerts à votre inscription, et puis plein d'argent qui rentre ensuite. Quand vous faites vos achats, Fanny, elle vient d'avoir 65 euros. Et voilà. Sans rien faire, enfin en faisant pas grand chose. Non, ça ne tient pas, il n'est pas assez pâteux. Pas doté de pâte. Ce soir Donc on fait un je n'ai jamais. Alors, tu réexpliques le principe de ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a qui ont peut-être jamais été sur un live je n'ai jamais, on en a qui déjà n'a... fait. Alors, je n'ai jamais. Qui n'a jamais. Je n'ai jamais. Non mais qui n'a jamais. Dites-le dans le chat, peut-être que vous avez jamais vu ces lives-là, on en a déjà fait 4 ou 5. Mais peut-être que vous n'avez jamais regardé les replays, que vous n'avez jamais été là en live avec nous. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais... Voilà, Road Schooling, j'en étais sûr, elle n'était pas là. Je pensais à toi, parce que Road Schooling est un peu nouvelle. Oui. Alors, le principe du « je n'ai jamais », c'est qu'on va lire des cartes qui vont dire « je n'ai jamais... » À chaque fois, il faut que je trouve un exemple. « Je n'ai jamais bu de l'eau », par exemple. « Je n'ai jamais bu de l'eau ». Et donc, si tu n'as jamais, tu lèves ta main. Je vais prendre celle-là, du coup. Voilà. Et si tu as déjà, bah, tu dis rien. Voilà. Voilà. Et vous, dans le chat, si vous avez jamais, vous pouvez mettre la main comme ça dans le chat, ou un doigt qui lève la main. Enfin, ou alors vous écrivez moi. Vous écrivez moi déjà, ou j'ai déjà. Voilà. J'ai déjà ou j'ai jamais, vous pouvez faire aussi. Vous jouez aussi, c'est-à-dire que c'est pas juste c'est nous. C'est pas que nous. Parce qu'on va se taper la honte, des fois. Mais vous aussi. Mais vous aussi. Sur les lives Je n'ai jamais, on a déjà eu des anecdotes de certaines d'entre vous, certaines et certains. Sur certains, voilà, très drôles, des anecdotes très drôles. Donc, n'hésitez pas à nous raconter votre vie, à nous raconter vos histoires les plus honteuses, parce qu'il y a des questions, c'est vraiment un peu honteux quand même. Donc, vous jouez aussi, hein. Ça, c'est vraiment le message très important de ce soir. Je n'ai jamais bu de l'eau.
Si t'as jamais bu de l'eau de ta vie, eh ben tu lèves ta main dans le chat. Voilà, bon, là, c'est un exemple bidon, vous l'avez compris. Parce qu'on va pas parler de questions aussi basiques. Ouais. C'est des questions autour des choses honteuses et des choses inavouables. On sort les dossiers. Ça peut être tout et n'importe quoi à base d'alcool, à base de sexualité. Des fois, on découvre des choses l'un sur l'autre aussi. À base de choses illégales, de illicite. Cambriolage illicite, de vol à la tire, voilà, des questions comme ça, des questions plus simples aussi, plus basiques. Donc l'idée, c'est ça. Mais on est sur des questions quand même pour adultes. Oui, c'est du contenu pour adultes. C'est effectivement, voilà. C'est pas pour les enfants. Si vous avez vos enfants qui sont à côté de vous en train d'écouter, c'est pas... Enlevez-les de l'écran. Voilà, c'est pas l'endroit ni le moment. Si vous avez moins de 18 ans, nous vous invitons à partir. Voilà. Ou moins de 16. Bien évidemment. Je sais pas. Notre chaîne Twitch, c'est un peu comme Pornhub ou YouPorn. Même si tu as 14 ans, tu peux rester, on va pas le savoir. On ne le saura pas, effectivement. Même si tu cliques sur le petit bouton « Je suis majeur », tu peux cliquer sur ce bouton même à 11 ans. C'est l'aberration de la législation sur le porno en France. Mais... Donc si vous avez 12 ans, vous pouvez rester, hein, on va pas vous envoyer la police. Mais ce serait mieux que non, quoi. C'est ce pas serait adapté. Mieux c'est que pas un contenu vous adapté, alliez ce soir. Ailleurs, effectivement, retourner sur les lives Minecraft... ou Fortnite, voilà. Même si Fortnite, des fois, c'est un peu violent. Mais ce soir, non. Il y aura des mots un peu trop... pas propres. Pas pour vous. Pas... Des mots que vous connaissez peut-être, du haut de vos 13 ans. Mais prenez le temps de grandir. Voilà. Il y en a plusieurs qui n'ont pas fait, qui n'ont jamais vu les lives Je n'ai jamais. Écoute, très agréable, c'est très du bien. Coup, d'avoir des gens qui ne connaissent pas... Des nouveaux. Voilà. C'est des lives aussi où... on sort les dossiers, la découpine. On sort les dossiers. Je pense qu'il y a eu quelques lives Je n'ai jamais où j'ai pleuré de rire. Oui, ça arrive. Il n'y en aura peut-être pas de fou rire ce soir. Peut-être pas. Mais c'est arrivé. C'est arrivé qu'il y ait des bons... Ça ne se provoque pas. Hein. Les fou rires, ça vient comme ça vient. Hein. Les fou rires viennent souvent de tes anecdotes. Il faut le dire. Tu as les anecdotes les plus honteuses du couple. Enfin, honteuse, c'est pas le mot, mais non. Les plus croustillantes. Voilà, on va dire ça comme ça. Comme la fois où Bibou nous a raconté qu'elle avait fumé du gazon, par exemple. Non, pas du gazon, canis. Du canis, voilà, parce que je sais pas pourquoi. Elle avait un mouchoir dedans, on avait mis aussi. Enfin bref. Tu avais fumé un mouchoir aussi, d'accord. On avait mis du mouchoir dedans, ouais, dans le canis. En plus du canis. Dans le canis. Ah, dans le canis, vous enfin, avez dans mis... un... bois quoi. On dans le canis, vous avez mis du mouchoir. Non, le canis c'était chez moi, mais on avait des petits bouts de bois et on avait mis des bois. D'accord. Et du coup, quel était l'objectif de cette expérimentation? Aucune idée. On pensait que ça allait nous mettre l'effet. Enfin, c'est pas le sujet de ce soir. Non, mais c'est toujours intéressant de parler des gens qui fument du canis ou des mouchoirs parce que il ne doit pas y avoir énormément de monde sur Terre qui se sont dit un jour, tiens, un mouchoir. Et si je le fumais, ça serait intéressant. Ouais. Je pense pas qu'il y ait des gens ce soir dans le chat qui ont déjà fumé un mouchoir. T'es peu probablement la seule. Salut à toi, t'as été juste, Clem. Mouchoir, salut Clem. Le papier. Bina se rappelle bien évidemment de cette anecdote de canis. Ouais, c'était quelque chose. Hop, la boîte de jeu, c'est ça. Je n'ai jamais. Et ça s'appelle « Je n'ai jamais » et il y a écrit dessus « Bâtissez votre mur de la honte ». Ah ouais, c'est écrit ça? Mais c'est écrit là, devant toi, tu vois pas ?« Je n'ai jamais » et juste à côté, il y a écrit « Bâtissez votre mur de la honte ». Ah ouais, effectivement. Ben, je vais vous mettre le lien Amazon, si vous voulez l'acheter sur Amazon, vous passez par notre lien, évidemment. Comme ça, ça nous fera gagner 3 centimes. « Je n'ai jamais ». Voilà. Il est disponible sur le chat Twitch, hein, bien évidemment. Si vous êtes sur YouTube, là, vous ne pouvez pas cliquer sur les liens qui sont là, évidemment. Branchez votre cerveau. Mais essayez quand même de cliquer là-dessus, mais ce ne sera pas possible, les gars. C'est une image incrustée. Ça ne fonctionne pas. Et si vous êtes sur Twitch, en live ou en replay Twitch, eh ben vous cliquez sur ce petit lien et vous passez votre commande. En replay, ça marche aussi. Sur les replay Twitch, ils ont le chat. Le même chat, ouais. Ils ont le chat Twitch quoi. Merci Clem. Merci beaucoup. Pour ton 16e mois d'abonnement. Voilà. Alors, salut Tahiti, qu'est-ce qu'il nous dit?
Elle est partie voir un sapin de Noël, Tahiti. Eh ben dis donc. C'est vrai qu'il faut qu'on installe le nôtre bientôt. Il y a déjà des sapins de Noël. Bah oui, c'est vrai qu'on est fin novembre. Ouais. Ah, faut qu'on fasse le sapin. Faut que je termine mon calendrier. On fait nos cartes ou quoi? Parce que sinon, on va pas s'en sortir là. C'est toi qui traîne, c'est pas moi. C'est parti, vous êtes prêts? Donc, vous avez bien suivi la règle. Je n'ai jamais blablabla. Si vous n'avez jamais fait ce que je vais énoncer, vous levez la main, vous dites quelque chose dans le chat. Et si vous avez une anecdote croustillante à raconter, vous la racontez parce que personne n'est là pour vous regarder. On va commencer par des questions assez basiques, assez simples, c'est juste pour... Voilà. Et ensuite, ça va partir un peu en... Il y a des trucs quand même... voilà. Hein. Ok. Je n'ai jamais organisé de grosses soirées chez moi avec plus de 100 personnes. Ouf, putain, ça va. Désolé, mais je suis obligée de... Moi, j'ai jamais organisé de soirée... Je pense que le grand max chez moi, il y avait 10 personnes, quoi. Mais moi, je crois que j'ai jamais organisé de soirée chez moi. Mais ouais, genre non, jamais. Et encore, ouais, moi je dis ça, mais c'était genre des booms, quoi. Anniversaire. Oui, mais même jamais. Moi, j'ai jamais organisé d'anniversaire. T'as jamais fait d'anniversaire chez toi? Non. Mais c'est quand même. Non. Au collège, au lycée? Non. Oh, la tristesse, la meuf, elle a jamais fait d'anniversaire chez elle. C'est vrai, jamais? Non. Tahiti Ju, elle a déjà fait 30 personnes. Sans, ça commence à faire, faut les caser. Par contre, j'allais beaucoup chez les autres. Ah putain, mais elle allait chez des soirées, elle était même pas invitée à y aller. Elle dit, écoutez, laissez passer la bombe. N'importe quoi. Je rentre. Non mais n'importe quoi, mais je me faisais inviter par des gens qui étaient invités. Tu sais, viens, je vais une soirée. Ok, j'arrive, mais je n'étais pas invitée de base, tu vois. Voilà. Non mais toi, t'as dû aller à des soirées où il y avait 100 personnes. Oui. Tu sais, je suis allée à des grosses soirées à l'américaine. Oui, je suis allée, ouais. Bibou, elle a fait ça dans l'ouest de la Réunion, là. Il y avait des grosses soirées. Hein. Je dis à l'américaine, mais bon, en France aussi, il y a ça. Oui. Mais à la Réunion, c'était pas courant. Hein. Mais moi, j'ai jamais fait de grosses soirées. Moi, franchement, les soirées les plus grosses que j'ai pu faire, il y avait peut-être 20 personnes. Non, je suis déjà allé dans des grosses soirées, mais c'était organisé par mes parents. Et là, moi aussi. Et là, ils avaient invité balle de monde. Tu vois, il y avait peut-être, je sais pas, 20 couples, donc ça fait tout de suite 40 personnes, plus les enfants. On n'est pas monté à 100, mais voilà. Une fois, je suis allé à une soirée hard rock. Mm. C'était organisé par un prof. Et là, il y avait au moins 100 personnes. Mm. Il y avait un concert de hard rock. Il n'y avait que tout le... C'était un prof qui organisait ça? Un prof d'histoire, ouais, qui était fan de hard rock. Il est... Bon... Voilà, ouais, t'as pas le droit de faire de soirée. Il a eu des histoires, non? Il a jamais eu d'histoire. Un peu... Ouais, il a jamais eu d'histoire, mais oui, normalement. Parce que quand, c'est un peu chelou quand même. Quand t'es prof, tu fais pas de soirée au lycée, c'était au lycée. Et il y avait tout le... Sous couvert de hard rock. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'en ai eu aussi des soirées comme ça. Ah bah oui. Il y avait tout le gang métalleux, gothique, etc. Et c'était une super grosse soirée, super soirée. Mais j'ai jamais... Jamais je ferai ça chez moi. Ouais. Et si un jour nos filles elles veulent organiser. Mais moi mes parents m'ont jamais proposé de. J'ai déjà invité une ou deux copines peut-être. C'est peut-être déjà arrivé pour mon anniversaire. Mais voilà, j'ai jamais fait de. Non mais à la maison, t'imagines, t'invites 100 personnes chez toi, ta maison ouais, ça ressemble jamais, à rien. Mais moi je veux dire même 10 personnes, j'ai jamais invité. Une fois je suis allé. On avait la famille, parce que moi j'ai une grande famille, on a plein de cousins cousines. Non mais t'imagines les soirées où il y a 100 personnes chez quelqu'un? Dans toutes les chambres, il y a des gens qui couchent ensemble. Les gens, ils couchent ensemble dans les toilettes, dans la salle de bain, dehors, ça couche. J'ai vu ça. Bah oui, les gens, ils sont là, ils boivent de l'alcool. Quand je voyais ça, je me dis, t'imagines, il y a ça chez moi. Les gens, ils étaient là, il y en a un qui était en train de vomir. Il avait son bol de pâtes qui était par terre. Enfin, non, c'était ignoble, c'est déchéance, quoi. Enfin, non, moi, ça, chez moi, non, merci. Tahiti Ju, elle a demandé à ses parents à organiser une grosse soirée. Bon, c'était une trentaine, mais quand même. Je sais pas si je dirais oui. Non mais jamais 30 personnes à la maison, t'imagines, une classe entière. On dira aux enfants, donc faites ça chez les gens, hein, mais pas chez nous. Ouais, non, mais ça ou dans le jardin, dehors. Après, dans le jardin, pourquoi pas, en mode tente. Mais après, bon, ça va pas les éviter de coucher partout et de vomir partout. Hein. Oui, mais c'est dehors, tu vois, après un petit coup de pluie. Enfin, ça dépend, en période de sécheresse, pas de pluie. Ouais, c'est vrai. Clem, elle a fait une soirée avec une demi-classe, mais c'était pour travailler sur un projet. C'est pas une vraie soirée, ça, Clem. Mais c'est une soirée quand même. Hein. Soirée travail. Bah ouais. Puis un avant, un après le travail, donc c'est une soirée. Je n'ai jamais friend-zoné un ami. Friend-zoné un ami, en gros, ça veut dire quelqu'un qui te kiffe, qui veut te pécho, tu lui dis non, on reste amis, tu m'auras jamais. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai pas le...
j'ai pas le succès escompté pour avoir suffisamment de filles à friendzoner, tu vois ce que je veux dire? J'ai déjà. T'as déjà, bah bien sûr que t'as déjà, toi. Non mais ça... combien non, mais en fait... combien de gars t'as déjà friendzoné? C'est ça qu'il faut dire surtout. Fais le calcul, le nombre de gars qui voulaient être plus et tu leur as dit non, on sera pas plus. Je pense facile une dizaine. Qui te l'ont dit, qui te l'ont dit, mais qui l'ont pensé sans oser te le dire, je pense que plus que 10. Maza, elle a déjà fait. Tahiti Ju, elle dit, moi j'ai toujours testé, j'ai jamais fait ça. Tahiti, elle prend tout ce qui passe. Il y a une pub qui va passer, on va devoir se partir en pub là. Il y a Clem qui dit, ah, elle part de sa soirée, elle dit, j'ai pas dormi cette nuit là. C'était sympa. Ah, d'accord. Je me suis endormi devant mon prof de droit, ancien militaire. Oh, ben c'est super, on fait une soirée à 30 avec son prof de droit en plus. Super. Il y a Diet Marie qui a déjà friendzoné quelqu'un et qui ensuite lui a envoyé des nudes sans que je les veuille. Diet Marie, elle a dit, on reste amis. Et le mec, il a dit, ok, je t'envoie des nudes. Je t'envoie des photos de ma dick. C'est bizarre, ouais. Pas de problème. C'est une drôle de réaction. Si tu veux qu'on reste amis, je t'envoie des petites photos de moi nues. C'est très étrange comme réaction, ouais. Non, mais c'est en cours. Son prof, c'était un ancien militaire. Et elle s'est endormie devant lui en cours. C'est ce que j'avais compris aussi. Ah, d'accord, Clem. D'accord, ok. Il n'était pas là, le prof, d'accord. On part en pub pendant 1 minute 30, et après on va faire encore plein d'autres questions, hein. C'est que le début de la soirée. Hein. Pendant la pub, ça dure 1 minute 30, vous pouvez aller boire, aller faire pipi, mais le temps passe très vite, hein. Donc ne vous absentez pas trop longtemps. Ça passe vraiment, vraiment, vraiment vite. Qui ne s'est jamais endormi en cours? Ah, oh, on va faire ça, hein. Qui n'a jamais dormi en cours? On fait ça juste après.